Bien, merci infiniment pour la parole. Et je voudrais remercier mon cher ami et aîné Richard pour la richesse de son papier, le caractère fouillé de sa présentation. Et merci infiniment. Tu m'as rappelé une bonne partie de mon enfance et de ma jeunesse. Parce que si nous disons que Olympe était un dictateur, moi j'en ai fait l'expérience personnellement. Mon oncle qui était mon tuteur à Lomé à l'époque, Emmanuel Mboukwa, qui était secrétaire général de la Juvento, a été arrêté par Olympio et mis en prison. C'est quand il a démarré son coup en 63 que lui aussi a été sorti de la prison de Mango. Donc ça veut dire que, et moi j'ai dû arrêter mes études pendant 2 ans à cause de cela. Donc c'est une vivante réalité. Nous on a vécu ça et c'est pourquoi ça fait mal de nous rendre compte qu'il n'y a pas de changement en réalité, alors qu'on aurait pu s'inspirer du passé pour faire des choses un peu mieux. Et il y a beaucoup de choses que Richard a dit qui m'ont intéressé. Et il y a un point cependant qu'il vient de développer en répondant aux questions. Et quand il a dit que Aného était un port et que les choses venaient à Nehor et ça servait, ça aidait à développer le Sud. Non, ce n'est pas le Sud. On a tort de penser que le Sud était avantagé par rapport au Nord. Et quand les choses débarquaient à Nehor, c'était pour Nehor et quelques coins. Parce que moi, je sais que moi, je suis de Togoville, hein, je ne m'en cache pas. Togoville, c'est la première capitale de ce pays. C'est un pays Évé, pas un pays Ouachi. Mais je sais que les Ouachi et les Guins à l'époque se détestaient avec passion parce que, bref, si on veut creuser ces choses-là, il y a eu beaucoup d'animosité. Ça fait partie de notre histoire. Il faut creuser ça parce que quand nos frères et sœurs du Nord estiment que le Sud était avantagé, ils n'ont rien compris. Est-ce que vous savez, moi, je suis propriétaire d'un terrain rural situé à peu près 15 km de la cathédrale. Et ce petit village a eu son premier certifié, le CEPD, il y a eu une quinzaine d'années seulement. Ce petit village a eu son premier certifié, CEPD, il y a seulement une quinzaine d'années. Bon, c'est-à-dire que l'option d'envoyer les enfants à l'école, ça a été pris par des gens qui avaient une vision, des gens qui ont fait confiance au système d'éducation que l'homme blanc a introduit chez nous et qui se sont débrouillés pour s'accrocher à ça. Moi, mon père a eu son certificat d'études en 1922, 100 ans l'année prochaine donc. Mais c'est un choix personnel, il s'est envoyé à l'école. C'est des choses dont on doit se souvenir. Est-ce que vous savez, ou alors combien de gens ici présents savent que la première Togolaise diplômée
en études de pharmacie, la première pharmacienne togolaise est de ce côté du pays Tem. C'est une Aïeva. Bon, son père a compris vite que l'option que proposait l'homme blanc méritait d'être prise au sérieux. Il a fait les 325 km ici pour arriver à Lomé et mettre à la disposition de ses enfants les nouveaux moyens disponibles. La première pharmacienne, elle épousait un voltaïque, enfin un burkinabé, comme on dirait maintenant, et elle est morte il y a 2 ou 3 ans seulement. Donc c'est dire que rien n'était donné. Le Sud, on a tort de croire que le Sud pouvait être perçu comme une entité monolithique et que il avait les moyens, il n'y avait qu'à se saisir de ces moyens-là. Non, beaucoup de gens ont peiné, ont sué sang et eau. Moi qui vous parle là, si je vous parlais de mon cheminement, pour être à cette table aujourd'hui, très peu de gens me croiraient. Mais on laisse passer ça. Moi, je devais parler, mais merci infiniment, Richard, pour la richesse des informations. Moi, je devais parler aussi d'un petit j'appelle mon texte « Une citoyenneté en maturation ». Je vais y aller très rapidement parce qu'il faut plutôt ramasser ça, c'est ça. Hein? Parce que on est resté assez longtemps et on a envie de partir, n'est-ce pas? Vous ne devez pas dire vos questions. Bien, alors, ce que je voulais dire, c'est que nous sommes en crise post-électorale depuis février de cette année, et chacun le sait. Et nous savons que les crises, eh bien, ça n'arrive jamais ex nihilo. Une crise est la résultante d'un certain nombre de réalités, de conditions. Et je ne vais pas m'attarder sur ça. Et nous savons également que les composantes de toute société ou communauté humaine peuvent parfois avoir des intérêts contradictoires, alors qu'ils partagent le même quotidien. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on vit ensemble au sein de la même société que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. On peut avoir parfois des intérêts contradictoires, voire conflictuels. Mais il faut que, pour anticiper les obstacles au vivre ensemble, il faut éviter d'être pris de court. C'est pourquoi il faut anticiper les choses. Lorsque vous regardez sur le tableau de bord, il y a des voyants qui s'allument, on sait qu'il y a des problèmes qui sont annoncés. Donc il faut vite éviter de résoudre ça pour ne pas... scrute avec application l'horizon des relations qu'entretiennent les différentes entités d'un groupe, on peut avant tout le monde détecter ces voyants dont je parle, qui peuvent s'allumer. Et dans ce cas, il faut engager les actions réparatrices préventives. Donc il faut en amont régler, faire des réglages pour éviter que les crises n'arrivent. Et quand malgré les dispositions qu'on prend, des crises arrivent, il faut se dépêcher de les résoudre. C'est des crises mal réglées qui dégénèrent en conflit. Un conflit, c'est une crise qu'on a mal gérée, parce que jamais de conflit ne commence comme ça sans qu'il y ait eu des signes précurseurs. Parfois, on se laisse surprendre et on se dit « Ah tiens, j'avais pas vu le vent venir là ». Oui, oui, maintenant je comprends. C'est-à-dire qu'après coup, on se dit, ah, je n'avais pas bien vu les choses. Vous savez, vous êtes peut-être père ou mère d'enfants,
quand d'habitude vous appelez votre fils, vous invitez votre fille à vous rendre un service, vous l'appelez une seule fois, elle dit papa, et elle vient. Et le jour où vous l'appelez papa, vous savez qu'elle est à 2 mètres, vous la voyez, vous l'appelez, et elle ne répond pas. Et vous ne prenez pas ça au sérieux. C'est 2 semaines après que un de vos frères, un oncle à votre fille vient vous dire, toi aussi, arrête de traiter ta fille comme une petite fille. Elle est grande, elle est majeure maintenant, fais ceci, cela. Et je dis, ah bon, qu'est-ce que j'ai pu faire de si mauvais que ça? C'est là que tu te souviens que, ah, il y a 2 semaines, je l'avais appelée, elle était à côté, mais elle n'a pas répondu. Le voyant était allumé, le signal était donné, mais vous n'avez pas donné à ce signal l'importance qu'elle méritait. Bien, comme nous parlons du Togo et de l'élection présidentielle dernière, nous savons qu'au Togo, notre opposition n'est pas homogène. Hein? Et certains de ces acteurs n'ont pas bonne presse auprès de la mouvance présidentielle. Ça, je ne vous apprends rien en vous le disant. Un parti politique de l'opposition, ce n'est pas le grand amour non plus. Vous savez, les partis politiques de l'opposition, lorsque la mouvance présidentielle en parle, voici les choses que nous entendons. Leur amateur, c'est des amateurs politiques. Ils manquent d'expérience en matière de gestion de l'État. Ils manquent de réalisme. Ils ne valent rien. C'est des choses comme ça qu'on entend. Et lorsque la mouvance présidentielle parle des opposants, les expressions qui reviennent, comme je le disais, on les connaît, c'est soi-disant opposants. Ils ne sont pas sérieux, ils ne valent rien, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et lorsqu'on vous dit cela, il faut comprendre ce qui n'est pas dit. Mais en même temps, lorsque les opposants eux-mêmes parlent de la mouvance présidentielle, eux aussi, qu'est-ce qu'ils disent de la mouvance présidentielle? C'est une bande de criminels assoiffés de pouvoir et prêts à utiliser tout l'argent du peuple au fin de s'éterniser à la tête du pays. On entend ça, n'est-ce pas? Ils sont l'incarnation de la mauvaise foi puisqu'ils n'ont pas le sens de la parole donnée. Ils mentent au peuple dont ils détournent l'argent du matin au soir et de mandat à l'autre. Et maintenant, entre opposants, on ne se fait pas de cadeaux non plus. Hein? Entre opposants, c'est des choses comme, voyez-vous, ici je mets chacun d'eux semble savoir qui émarge à l'homme d'eux. C'est-à-dire, vous prenez les opposants, vous posez la question à l'un d'entre eux, et vous dira qui, parmi les autres, émarge à l'homme d'eux. Maintenant, quand vous prenez un des autres, lui aussi connaît ceux qui émargent. Il y a de fortes chances qu'il mette sur sa liste celui qui dénonçait les autres. Bon, ils savent qui est la taupe la plus camouflée, et qui est parrainé à vie ou en période de vache maigre par le pouvoir, qui a passé quel accord secret dans le cadre de la prochaine présidentielle. Bref, ils semblent être au courant de tellement de choses. Mais ce qui m'a frappé le plus chez eux, c'est que chacun d'entre eux s'estimait être le meilleur candidat qui soit. Si vous voulez un candidat pour résoudre les problèmes, c'est moi. Bien. Et si vous allez en dehors d'eux, ça sera la catastrophe. Voilà où on en était quand Mgr Kodro fait son intervention. Bien, là je suis obligé d'aller vite. Et donc Mgr Kodro entre en jeu et grâce à son aura qui avait déjà inspiré confiance à de nombreux Togolaises et Togolaises et par voie de conséquence à des politiciens
de tout bord idéologique. Donc, grâce à son aura, il inspire confiance à tout ce monde-là. Et je crois personnellement que si on me demandait de résumer sa très riche personnalité en un seul mot, je dirais sans la moindre hésitation, courage. Et je suis conscient qu'il a aussi sa foi inébranlable en Dieu et qu'il est doté d'une vive intelligence que par humilité, il sous-estime trop souvent. Je comprends que le courage est une valeur tombée en désuétude et je suis heureux qu'il y ait convergence entre ce que mon ami Richard a dit et ce que je pense ici. Donc, le courage est une valeur tombée en désuétude chez nous depuis quelques décennies. Or, à la lumière de la vie de tous les jours de Mgr Kodro, je m'aperçois qu'il s'agit là de l'une des valeurs sûres qu'il nous faut recultiver, adopter et partager si nous voulons construire un état de droit authentique au Togo. Et il est obsédé par l'idée de, je parle de Monseigneur, il est obsédé par l'idée de la candidature unique de l'opposition. Et il a pris son courage à deux mains. Il est allé voir tous les chefs politiques de l'opposition pour discuter avec eux. Et ce sont les acteurs principaux de l'opposition. Maintenant, la candidature d'Agbemé a été retenue. La dite sélection fut effectuée par une équipe technique qui s'était basée exclusivement sur des directives élaborées par des Togolais aussi bien de l'intérieur que de la diaspora. C'est les membres de ce qui plus tard deviendra la dynamique Kodro. Comment expliquer l'écrasante victoire du candidat de la dynamique? D'abord, on notera le caractère atypique du candidat Agbemé. Souvenez-vous de tout ce que j'ai dit sur ce que pense le pouvoir des opposants. Ils ne connaissent pas l'État, ils ne savent pas comment le gérer, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils n'ont pas de la substance. Bien, voilà ce qu'ils pensent. Mais on conviendra facilement avec moi que l'impressionnant CV d'Agbemé Kodro constitue un démenti formel à cette idée sans fondement. Ça veut dire que si je dis que le candidat Agbemé est atypique, cela veut dire que ce n'est pas le genre de candidature auquel le pouvoir était habitué. On voudrait que des gens viennent qu'on peut liquider très rapidement, mais voilà que quelqu'un vient, il est non seulement compétent, mais il a formé un certain nombre d'entre eux. Beaucoup d'entre eux étaient membres de son cabinet. Quand il était président, beaucoup d'entre eux ont mis le pied à l'étrier sous la supervision d'Agbemé. Bien, comment pouvez-vous dire que celui-là n'a pas l'expérience qu'il faut? Donc, son CV est là. Mais, moi je dis que la construction de l'état de droit nécessite une transformation radicale des habitants du pays en citoyens. Transformer les Togolais en citoyens. Le problème de la citoyenneté se pose avec acuité. La citoyenneté s'arrache au prix de 1000 efforts. Elle ne s'offre pas, avec ou sans condescendance, par qui que ce soit, à qui que ce soit. Le courage nous est nécessaire à chaque étape du cheminement. Donc, vous comprenez que je vous renvoie encore à Mgr Kodro. Le symbole de ce courage-là, celui-là qui, avec abnégation, brave tous les dangers. Et qu'est-ce que nous faisons, nous? Et toujours dans le souci de gagner du temps, je vais sauter d'un. Qui sont les Togolaises et Togolais qui ont voté pour Agbemé Kodro? Il vous souviendra que quelques mois avant la date fatidique du 22 février, la C14 et certaines des organisations de la société civile avaient demandé aux Togolais
ou en tout cas à ceux qui adhéraient à leur vision des choses, de ne pas aller se faire établir des cartes d'électeurs. Lorsque plus tard, des négociations avec le gouvernement aboutirent à l'attribution de 3 jours de rallonge, tout fut mis en œuvre pour que les machines de recensement tombent souvent en panne, tout au moins sur le Grand Lomé. Vous le savez, à l'intérieur, dans certaines villes de l'intérieur, curieusement, les machines ont marché, pas dans toutes les villes. Mais voilà que malgré tout ce qui était mis en œuvre, eh bien, le candidat Kodjo Agbemé a été élu. Ma théorie est que le courage de Monseigneur Kodjo a fait des émules sur toute l'étendue du territoire. Beaucoup de gens qui avaient refusé, soit de se faire enregistrer, ou alors qui, pendant des années, avaient refusé de voter parce que les dés étaient pipés, pensait-il. Beaucoup de ces gens-là se sont tout d'un coup retrouvés suffisamment motivés, tout simplement parce qu'il y avait un modèle vivant devant eux. Monseigneur a parcouru tout ce pays. J'ai entendu des gens de la mouvance présidentielle dire que l'opposition n'a fait que 2 semaines de terrain. Comment voulez-vous qu'en 2 semaines de terrain, ils rattrapent leur retard? Non, ce n'est pas parce que les gens ont mis des mois, voire des années, à tromper les citoyens que les citoyens ne se souviennent pas. Donc, moi, je dis tout simplement que, contrairement à ce que nous pouvons penser, la plupart de ceux qui ont voté pour le candidat Agbemé, c'est ceux qui avaient leur carte. Donc, une bonne partie de la mouvance présidentielle et les autres qui n'allaient plus voter. Cela veut dire quoi? Là encore, je rejoins ce que Richard a dit. Et il y a une mouvance nationale qui est en train de prendre de l'essor. C'est-à-dire que les gens se sont dit, maintenant, vu la carrure éthique de la personne qui soutient ce candidat, on peut lui faire confiance. Et les gens ont osé dire non à l'appartenance ethnique, partisane et tout le reste. Et ils ont décidé de mettre au-dessus de leur personne le souci de l'alternance politique. Donc, il y a comme un basculement. Et c'est pourquoi moi, j'estime que ce qui vient de se passer est très important. Plus rien au Togo ne se passerait comme avant. Avant, les gens élisaient les candidats de leur choix, mais l'opinion de la mouvance présidentielle était la seule qui prévalait. Maintenant, ce que nous voyons, c'est qu'il y a du changement. Et le courage dont a fait preuve ceux-là qui ont voté pour Agbemé, malgré les consignes de comportement que leur parti leur ont donné, il leur faut encore une autre forme de courage. Et moi, je suis très confiant pour l'avenir. Ce qu'on nous dit en ce moment, c'est qu'il ne suffit pas de gagner. Il faut ramener la coupe à la maison. Et ça aussi, les Togolais vont apprendre à faire preuve de courage, affronter les balles de ceux qu'on met à leur trousse, ceux qu'on chargera de les détruire. Mais là aussi, il faut du courage pour affronter ces balles. Mais il faut du courage aussi pour dire à ces gens-là que ce n'est pas parce qu'on vous demande d'aller faire cela que vous êtes obligé de le faire. La Constitution reconnaît votre droit à la conscience, Il y a une expression pour ça. C'est-à-dire que vous pouvez
est refusé d'aller accomplir ces missions qui entament votre conscience. Vous avez le droit de dire non quand on vous demande d'aller faire ce genre de missions. Maintenant, est-ce qu'ils ne le savent pas? Moi, j'ai entendu lors de l'une des rencontres malheureuses entre les forces de l'ordre et des manifestants, j'ai entendu un enseignant de l'enseignement supérieur dire « Je ne comprends pas que des responsables de parti, des femmes, mères de famille, des pères, pères de famille, puissent envoyer leurs enfants à l'abattoir. » Ils savent qu'en se présentant devant l'armée, ils vont se faire tirer dessus, mais ils vont quand même. Et je me suis rapproché de la personne, je lui ai dit, au lieu de dire ce que tu as dit, pourquoi tu ne demandes pas à l'armée d'apprendre à se maîtriser? Parce que en droit, c'est bien connu. Hein, qui peut le pire peut le contraire du pire aussi. Si vous avez le pouvoir de tirer sur quelqu'un et de le tuer, si vous avez un peu de courage, moral, éthique, tout ce que vous voulez, vous verrez que vous avez la possibilité de ne pas lui tirer dessus aussi. Et ça, on l'apprend à tous les étudiants en droit, ils le savent. C'est vrai qu'il y a les possibilités possibles. Si je suis suffisamment fort pour vous gifler ici, si j'ai le courage, bon, il m'a demandé de conclure. Bien, c'est dommage, ce truc-là, ça me tient à cœur. Mais bon, ben, je vais conclure quand même. Et je voudrais tout simplement vous dire que nous avons le devoir de cultiver ou de recultiver le courage que représente Monseigneur. Parce que sans ce courage-là, l'état de droit ne peut jamais se réaliser dans nos pays. Les choses sont écrites sur papier, d'accord, mais pour que ça se réalise dans la vie de tous les jours, il faut que nous allions au charbon. Il faut que nous nous retroussions les manches, que nous affrontons les choses. Il y a trop de gens dans ce pays qui sont à l'écart de tout ce qui se passe, soit parce qu'ils se disent « Ah, qu'est-ce que j'y gagne ?» Ah, non, j'ai mon petit bonheur, mon semblant de bonheur, je m'en contente. Ou alors, bon, ben, ceux à qui ça profite, eux, ils sont là et moi, je vais me faire... Non. Faisons preuve de courage, cultivons cette valeur qui devrait structurer nos attitudes. La réalisation de l'état de droit est à ce prix. On ne nous le donnera jamais, l'état de droit. C'est promis dans la Constitution, mais pour que ça se réalise dans nos vies, il faut que nous allions chercher ça. Je vous remercie.